Voilà, première vidéo pour planter un peu le décor. Donc moi c'est Thomas, lui c'est Guillaume. Ouais. On vient de commencer le projet Drift, donc en fait on a commencé les modifs des voitures, on a déjà fait pas mal de modifs, mais du coup on a vu qu'en fait tout ce qu'on faisait les week-ends, les opérations mécaniques, l'entretien, etc., les achats de pièces, ça pouvait intéresser du monde finalement, parce que je pense que tout le monde passe par là quand on commence à monter une caisse de drift. Ce qui s'est passé donc pour faire court, c'est qu'il y a quoi, il y a 6 mois. 6 mois, ouais, j'ai acheté la 326. Donc c'est une 320i de 1991, donc c'est des phases 1. À la base, je l'avais pas du tout acheté pour faire du drift, mais Thomas a suivi 3 mois après, on va dire, en achetant une 325i, pareil en E36. Donc... Thomas a monté les mêmes modifications que moi, donc il a pareil un autobloquant, on a la même suspension, on a à peu près le même setup. Donc dès qu'on a monté les autobloquants, c'était il y a à peu près un mois, on a voulu tester sur parking, donc on a fait une petite vidéo au drone en mettant des cônes et c'était vraiment une première quoi. Donc le bitume était un peu mouillé, c'était pas mal, c'était vraiment sympa et il faut voir après ce que ça donne sur cette.
pas tout avoir. Ouais. Il a même eu le temps de sortir la main, il passe tout plus. Débrief sur la fin de la journée, on s'est senti progresser grave entre le premier tour de ce matin et le dernier tour de la journée. Donc ce qu'on peut retenir, c'est super tracé, très technique, malgré que ce soit une piste de kart, elle reste quand même assez large, donc au final on peut bien s'amuser, on peut faire sans risque, les têtes à queue ont été nombreux, vous le verrez. Super organisation, super ambiance dans les stands, ça rigole, sur la piste de départ ça rigole, c'est vraiment que du fun et à refaire très vite. Bon voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.